السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ والتلميذات وكل المتتبعين لقناة التميز للدعم المدرسي في اللغة الفرنسية. Cette vidéo est dédiée aux élèves de la troisième année collégiale qui travaillent avec le manuel Passerelle. Prenez la page 30 et suivez avec moi. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon intitulée « La lettre de demande d'autorisation ». Les objectifs de cette séance sont identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. هدف الدرس تحديد مميزات الرسالة الإدارية. Repérer les outils de la langue de la demande d'autorisation. استخراج الأدوات اللغوية لطلب إذن. إذن اليوم غادي نشوفوا رسالة طلب إذن. Prenons la lettre. Je vais lire et expliquer en même temps. Nous avons le premier constituant, le lieu et la date. Marrakech, le 23/2/2000. Puis, on a les coordonnées de l'émetteur. L'émetteur, l'expéditeur ou bien le destinateur. Saïd Naji, délégué du collège Fatima Al-Fihriya, Mandoub, collège Fatima Al-Fihriya. On a tout maintenant dans le livre, on a le Gmail, on a le GSM, le numéro de téléphone. Naoutani, les coordonnées de destinataire. Monsieur le directeur du collège Fatima Al-Fihriya, direction provinciale Casablanca, Seyd Moudir, Edadiyat Fatima Al-Fihriya, et Moudiriya Al-Iqlimiya, Casablanca. Objet. هنا الموضوع demande d'autorisation طلب إذن de créer un club de cinéma au sein de l'établissement لإنشاء نادي السينما داخل المؤسسة. La formule d'appel, ce qu'on appelle la formule d'introduction. Monsieur le directeur, سيدي المدير, par la présente بموجب هذه الرسالة, je sollicite votre autorisation. أطلب منكم الإذن de créer un club de cinéma afin de développer la culture cinématographique. أطلب منكم الإذن لإنشاء نادي السينما من أجل تطوير الثقافة السينمائية chez mes camarades du collège et de donner le goût وإعطاء الذوق والمتعة للتعلم et de donner le goût et le plaisir d'apprendre. Vous trouverez ci-joint, ستجدون رفقته, برنامج النادي بالنسبة لشهر شتنبير. Vous trouverez ci-joint le programme du club de cinéma pour le mois de septembre. Toute proposition de votre part sera la bienvenue. أي اقتراح من جانبكم سيكون موضع ترحيب. En vous remerciant d'avance de votre compréhension, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Saïd Neji. Alors voilà la lettre. Je vous donc les questions de compréhension. Adloulin, un jour, je vais vous oralement, les réponses dans la vidéo. D'après la forme du texte, quelle hypothèse fais-tu sur sa nature et sa visée? نتلاقن من شكل النص شنو هي الفرضيه اللي ممكن ديرها على طبيعه وعلى الهدف من الرساله. راه هنا غنقولوا d'après la forme du texte, je pense qu'il que c'est une lettre de demande d'autorisation. Souligne la bonne réponse. Cette lettre est, est-ce que c'est une demande d'emploi, une lettre de demande d'autorisation, une lettre de réclamation, une lettre de démission? C'est une lettre de demande d'autorisation. 3. Où et quand? Où le lieu et quand? Le temps? La lettre a-t-elle été écrite? Faut cacher au fin de la...
Où et quand la lettre a-t-elle été écrite? أين ومتى كتبت هذه الرسالة؟ عندنا هنايا الفوق كما قلت لكم في الأول لو ليو مراكش لو ليو لو 23 دو 2000 فوالا 4 كي هي ليميتور ليميتور سي سعيد الناجي لو ديستيناتير سي مسيو لو ديريكتور دو كوليج فاطمة الفهرية هنا لادغيس C'est la direction provinciale Casablanca. Le téléphone de Saïd Najir a le livre Al-Fokh, les coordonnées de destinateur. Je développe et je réinvestis. Pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? Souligne dans le texte les expressions qu'il indique. علاش المرسل كتب هذه الرسالة للمرسل إليه وغادي تسطر في le texte Alors, c'est pour demander l'autorisation de créer un club de cinéma au sein de l'établissement. Je fouffe la lettre, l'expression. 2. Quelles raisons donne-t-il pour justifier sa demande? Développer la culture cinématographique. Et deuxième raison, on va donner le goût et le plaisir d'apprendre. Il y a un mot à dire. Quel document présente-t-il comme justification? Je n'ai pas de document qui la lettre comme ouvrir ou le programme du club pour le mois du septembre. Il y a un programme qui est le mois de septembre. Où se trouve la demande d'autorisation? Et les justifications dans la lettre, comment appelle-t-on cette partie? فاش كنلقاو طلب الاذن والمبررات في داخل الرساله واش كنسميو هاد لا بارتي هادي واش كنسميو هاد الجزء من الرساله كنلقاوهم دون لو تيكست وهاد لو تيكست كيتسمى لو كور دو تيكست ولا كيتسمى لو كور دو لا لتر داكور سي بوكو ميو دو دير لو كور دو لا لتر 5. Par quel moyen l'émetteur s'exprime-t-il? Relève les indices qu'il le montre. Alors, on a dit qu'il s'agit l'émetteur avec le destinataire. Je connais les adawat qui s'agit de lui. Il s'exprime avec politesse et respect, il s'agit de lui avec احترام et adab. Je connais les mouchirats qui s'agit de lui. المؤشرات اللي كتدل عليهم لي زانديس كي لو مونتر سون ان لو فو دو بوليتيس يعني هو كيهضر مع شخص واحد اللي هو المدير ولكن كيقول ليه انتم فو وكاينه ليكسبرسيون مسيو سيدي اللي كتعبر على الاحترام فوالا هادو هما لي كيستيون لي بلوز امبورطونت ونتمنى يكون لا فيديو عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وشكرا لكم جميعا